Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une excellente comédienne et par ailleurs une très grande directrice artistique. Petit flashback sur la merveilleuse Barbara Tissier. Ça me fiche la trouille tellement c'est puissant. Et toi, t'es le joli cœur le plus cosmique de toute ma galaxie. Je veux que nous nous arrêtions pour camper, c'est un ordre. Alors c'était vrai. Il y a bien ici quelque part une fille qui a le culot de me concurrencer. Je ne suis pas un homme. Barbara Tissier est née le 21 mai 1972 à Versailles. Alors qu'elle prend des cours de danse à la salle Pleyel, elle est remarquée dès l'âge de 10 ans par l'assistant réalisateur de Jean-Luc Godard. Elle y trouvera son tout premier rôle au cinéma. Mais par la suite, Barbara Tissier se tournera très vite vers le doublage pour en devenir une personnalité majeure. Elle commence le doublage à 11 ans avec le rôle de la petite Maggie dans Les oiseaux se cachent pour mourir, et c'est 2 ans plus tard que Disney l'engage pour interpréter la princesse Héloïse dans Taram et le chaudron magique. L'année suivante, elle interprétera la petite Olivia dans Basile, détective privé. Ça éclaire. Évidemment, elle est magique. Ces cachots sont un cauchemar. S'il n'y a pas de rats, ce sera déjà ça. Au fond, je ne les déteste pas, mais ils m'agacent parce qu'à tout moment, ils vous sautent dessus. Je suis la princesse Héloïse. Es-tu un seigneur? Dites, s'il vous plaît, vous m'écoutez ou pas? Mon papa est plus là et moi, je suis toute seule. Cher enfant, là, vous tombez, on ne peut plus mal. D'ailleurs, votre mère doit bien savoir où il est. C'est que j'en ai pas de maman. Et Barbara Tissier va finir par développer à l'âge adulte une voix bien particulière. Elle la prête principalement à la magnifique Cameron Diaz qu'elle a doublée jusqu'à maintenant dans plus d'une quinzaine de films. Moi, je veux un gars qui peut jouer 36 trous et avoir encore assez d'énergie pour m'emmener avec Warren à un match et manger des hot dogs avec des saucisses, les hot dogs, et de la bière, de la vraie bière, pas de la léger. C'est ça mon annonce, tu peux la prendre. J'ai tout de suite su que t'avais pas couché avec elle à ta façon de marcher. Laisse-moi deviner. T'as pas couché avec elle parce que c'est plus amusant quand on fait durer les choses. C'est pas aussi excitant si la fille que tu baises n'a pas dit à toutes ses copines qu'elle coucherait jamais avec toi. En plein dans le mille, Julie. Ça a dû l'épuiser d'essayer de se montrer drôle et intelligente toute la nuit. Hé, Julie. Désolée. Mais Barbara Tissier a aussi prêté sa voix à de nombreuses autres comédiennes comme Feruza Balk, Christina Ricci ou encore Miranda Otto. Les femmes de ce pays ont appris à les manier. Celles qui n'ont pas d'épée meurent par elles. Je ne crains ni la douleur ni la mort. Que craignez-vous, gentille dame? Une cage. Rester derrière des barreaux jusqu'à ce que l'usure et l'âge les acceptent, et que toute forme de courage ait disparu irrévocablement. Barbara Tissier a une voix bien polyvalente qui peut aller de personnages déjantés et hilarants à des rôles plus sombres et héroïques. Elle a donc tous les atouts pour incarner parfaitement un personnage d'animation. C'est vraiment toi. C'est moi. C'est vraiment toi. Vous voulez pas dire autre chose? Le chasseur d'or a toujours dit que tu viendrais. Par les moustaches d'Abraham Lincoln, le chercheur d'or, il veut te rencontrer. Vous devez sûrement connaître la fin du conte. Une princesse recluse dans une tour et gardée par un dragon et secourue par un preux chevalier. Oh, pardon. Moi, je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, hein, Fiona. Ah, c'est rigolo. Oh, il me vient une idée. Vous aimez les ballets russes? Il me semble qu'ils se produisent à Paris ce soir. Je dois dire que l'impératrice et moi, nous sommes très friandes de ballet. Oh, et ce serait de la folie de moins que ça. Et voilà, je savais bien que c'était ma pantoufle. Oh, c'est exactement ma taille. Elle me va comme un gant. En la voyant, je l'ai tout de suite reconnue. Oh oui, oui, elle est peut-être un peu juste aujourd'hui. Le pied gonfle quand on danse toute la nuit. Qui est Souris? Souris? Et Lulu? Et Fifi? Et Rosita, Juanita, Chiquita, Chihuahua, je ne sais quoi. Rosie, jolie, oh, oh, oh.
oui, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais m'inquiéter de votre talon d'Achille. Quel talon? Oh, ne cherchez pas à me protéger, ce n'est pas la peine. Oh, si vous restez tout seul, je m'en moque. Et si les Cosaques vous emmènent en prison, tant mieux. On ne m'achète pas avec un os. Barbara Tissier dégage une grande énergie dans ses rôles, notamment pour ses rôles dans l'animation. Théâtre, danse, musique, chant, tous les atouts parfaits pour une comédienne accomplie. Elle connaît parfaitement la maîtrise du doublage, ce qui en plus de ses talents de comédienne a fait d'elle depuis les années 2000 une des plus grandes directrices artistiques pour de très nombreuses grosses productions. Si, on fait jamais « Oh, ne dis pas de sottises », on fait plutôt « Oh, ne dis pas de sottises oh, ». Voilà. Oui, mais il faut que tu gardes de l'énergie pour jusqu'au bout de la phrase. Faut pas que tu l'arrêtes en cours de route, ton énergie, d'accord? Elle arrive, Clochette, et tu lui fais « Bonjour Clochette, tu es prête ?» Il faut que, bien que ce soit un dessin animé, que ce soit une fée, etc., ce soit super quotidien. C'est comme tous les matins, c'est « Oh bonjour, comment tu vas ?» Je fais toujours ça, je bosse mes 1-2 triceps, Hulk, avant de partir à l'attaque pour opérer une OP. Tu te sers pas de celle-là? C'est avec ça qu'on lave les toilettes. Ah. Et c'est avec ça qu'on lave ce avec quoi on lave les toilettes. Oui, je savais. Mmh. Eh ben, tu vois quand tu veux. Comment c'était, C'était comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle n'est pas finie, je vais vous laisser avec une petite compilation des meilleurs rôles de Barbara Tissier. Entre temps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Enchantée Nathalie. Ravi David, monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça? Et en plus j'ai dit merde, deux fois de suite. Oh monsieur, toutes mes excuses. C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là nous aurions été dans la merde. Ça c'est vrai, j'avais le pressentiment que le premier jour j'allais merder comme une conne. Oh là là, oh putain. Qui d'entre vous saurait me dire pourquoi Jen pleure lorsque le trou dans l'arbre est rempli de ciment? Parce que c'est une pleurnicharde. Tu prends la porte. Ce pauvre petit chéri n'est pas capable de faire ses bagages. Je n'allais quand même pas le féliciter en lui disant bravo. Un idiot, voilà ce que t'es. Je suis pas un idiot. Si, bien sûr que si, tu ne sais rien faire de bien. Il faut toujours qu'on fasse tout pour toi. Alors, je sais pas ce qu'il a dit et j'en ai rien à cirer. J'ai juste une question, les gars. Est-ce que vous avez envie de voir des clips vidéo pendant les heures d'études? Ouais. Bon, alors si vous m'élisez plutôt que d'étudier, on écoutera de la musique. Ouais. Votez pour moi, ok? Et on va s'éclater comme des bêtes le vendredi et le samedi soir. Mais c'était pas ma faute. J'avais cette empoisonneuse qui passe au moins 20 minutes avant de décider du genre de coulis qu'elle veut sur la tarte aux mirabelles. Alors moi, je lui donne un conseil. Et c'était quoi, le conseil? Je lui ai dit qu'avec des fesses pareilles, elle ferait mieux de se mettre au yaourt. C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Petit Damien, quelle surprise de te voir ici, très cher. Bonjour, mémé. On peut vous déposer quelque part, toi et tes petits amis? Je vais vous faire la mort de la sorcière. Et voici venir l'ouragan qui m'arrache tous mes vêtements. Il m'avait coûté tant d'argent. Ravi de vous rencontrer enfin, monsieur Petracelli, madame Tania Baxter, je suis la maman de Raven. Oh, merci d'être venu. Oh, mais non, c'est normal, vous êtes le professeur préféré de mon trésor. Oh, Sherlock, mon gros roux-doudou au flair infaillible, j'adorerais sortir avec vous. Ou chercheriez-vous à profiter de la naïveté d'une jeune américaine un peu vieux jeu? Incorrigible séducteur du vieux continent. Et voici, mesdames et messieurs, au départ des vacances, la célèbre Babs Bunny portant un deux-pièces mauve. Je la vois qui sort son fabuleux fauteuil de plage et sa chenille ultra perfectionnée. Ainsi qu'une vue absolument paradisiaque de la Côte d'Azur. Oh, mais comment fait-elle, mesdames et messieurs? C'est un dessin animé. Nous avons dépassé le cabriolet de Sarah Simons. Alors j'ai ôté mon gant et posé la main sur la portière pour qu'elle voie mon alliance. Et j'ai arboré mon plus beau sourire. Tu devineras jamais ce que je fais là, à la seconde. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je prends les mesures de ma robe de mariée. Quoi? Josh m'a demandé en mariage. Où est-ce qu'on va? On va laisser cette face de rat poster mon cul sur internet pour que le monde entier en profite. Des gens qu'on connaît et de parfaits inconnus. Oh, mon gynécologue va m'en vouloir pour le restant de ma vie. Attends,
Et le traiteur va voir ce qu'on a fait avec son salami. Fino, je t'appelle, Fino. Est-ce que tu m'entends? Oh, oui. J'ai trouvé l'antidote. Et toi, où en es-tu? Vas-y, Olivier, tu les auras. Vas-y, allez, courage. Ne vous fatiguez pas. C'est mon rôle de faire le supporter pour Olivier, mademoiselle. Et je vous assure que je n'ai besoin de personne. Je me suis fait comprendre. J'essaie de m'habituer à ma nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux, Becky? C'est comme ça. Si je veux rester au collège jusqu'à ce que je reçoive une lettre, le meilleur moyen, c'est de m'habituer. Ça veut dire que tu m'espionnes? Quelle importance, comment je l'ai su? L'important, c'est toi et Dylan. Non, l'important, c'est la confiance. Quel genre de relation espères-tu construire sur de l'hypocrisie et du mensonge? Aucune. Il pense que vous devriez retourner à New York. Tiens, tiens. Pourquoi cela? C'est ce que j'ignore. Peut-être qu'il a lu vos notes et qu'elles ne sont pas à son goût. Où veux-tu aller, hein? Le pétochard de la classe? L'éternel petit loser qui bien sagement se rend le matin à l'école, malgré la journée qui l'attend. Je m'excuse. Il s'excuse! L'autre, il s'excuse! Il est trop, mais il est trop! 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 Alors dis-moi tout de suite où est Sophia. Je suis Sophia. Où est Sophia? Je suis Sophia! Où est-elle? On ne peut pas oublier un enfant comme Emily ou Andy. C'est eux qui nous oublient. Le jour sourira, la nuit pleurera, ogresse tristement. Un baiser recevra et ce jour tu seras belle aux yeux de ton amant.